Clip. Only on Urban Clip. This is how we do L'oiseau sur le barbare ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. Hello, hello, bienvenue Defty. Salut JM. Et comment ça va frérot? Ouais, ça va, on est là, on a la pêche et on est vivant, on respire. Super, très content de t'accueillir sur Urban Clip. Bien sûr. Defty, avec toi, le rap ivoirien progresse super bien. Et surtout, en te rencontrant aujourd'hui, on se demande mais pourquoi Defty piège d'Agouti? C'est quand même assez drôle. Bien sûr. Il faut dire qu'à la base, Defty, c'est un nom que mes vieux parents m'a baptisé de ce nom-là. Et le piège d'Agouti, c'est parti d'un gros délire dans un morceau appelé Hustler à l'époque, avec le crack. Et dans ce morceau, je disais, je m'appelle Defty, piège d'Agouti, Wicked MC. Alors, en ville, quand je passe en ville, les gens, au lieu de m'appeler Defty, m'appellent piège d'Agouti. Donc, pour finir, j'ai adopté ce nom, j'ai décidé de m'appeler piège d'Agouti, Defty, piège d'Agouti. Bah, c'est super, on est heureux de te connaître davantage à Merci. Travers cette interview. Tu as parlé de l'époque, tu as parlé du centre du crack. Qui est le centre de rap et d'action culturelle. Le club de rap et d'action culturelle. Le club de rap et d'action culturelle, merci beaucoup pour le petit rectificatif. Alors comment tout est parti? Est-ce que c'est de là que tout est parti? Comment tu as été piqué par le virus du rap? Ça c'est depuis l'enfance en fait. Depuis, je vais dire, la classe de CM2, il y avait le mouvement qui faisait fort et à l'époque je m'ennuyais. Franchement, j'avais un gros vide, mes grandes sœurs avaient voyagé, j'étais seul avec les parents et j'avais envie de faire quelque chose. Du coup, c'est la musique qui m'intéressait parce que au quotidien, on nous a bercé de musique et la musique qui, je vais dire, avec laquelle j'avais le plus d'affinité, c'était le rap. Donc, je me suis mis à l'écriture. Et après, j'ai fait différents groupes, différents possis dans différentes villes. Et quand je suis arrivé au campus, j'ai intégré directement le crack et voilà, c'est de là que tout est parti. Justement, le crocodile de Botswanga, c'est un gros délire du film. Bien sûr. Du coup, ça me tend la perche ou le tremplin pour te poser cette question. C'est quoi tes délires à toi au quotidien? Dans un premier temps, c'est la musique. Je suis à fond dans la musique. Après, il y a les amis, il y a la famille. Et on aime faire de grosses sorties. On aime se mettre bien, comme on le dit dans le jargon, pour dire qu'on s'amuse, on s'éclate. On n'a pas de frein, on ne se donne pas de limites. On fait ce qu'on doit faire et puis voilà. Si t'es une cocotte, t'es une cocotte, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, fais-moi rêver. La beauté d'une femme, c'est son cœur au port. C'est quand tous ses habits sont enlevés. Ok, heureusement que tu ne perds pas la tête et bien que sûr. tu as toujours cette lucidité pour écrire des textes. Des textes à la fois chargés en émotions. J'en veux pour preuve Afghanistan. Un petit commentaire sur cette belle vidéo que tu nous as offert. C'était vraiment difficile. Le morceau était facile à écrire par contre. Parce que Dieu a mis sa main dans mon cerveau, il a fait tout le reste. Et quand on a produit le morceau, à la base, il n'était pas prévu. Nous préparons un album, il n'était pas prévu. Il est venu de nulle part et il s'est imposé à nous. On a décidé de faire une vidéo. Il faut dire que c'est l'une des vidéos, aussi simple soit-elle, qui nous a beaucoup coûté en énergie, en argent, en personne. Toi et moi dans le noir, unis par une cause. Ton corps est contre le mien, le temps est parti, fais une pause. C'est vrai qu'on n'a pas le sentiment que c'est Defty qui rappe tellement la voix elle est superbe et je dirais pas autotunée, mais on a l'impression d'écouter du bon rap français. Est-ce que c'est un nouveau virage que tu as pris? Bien sûr. Musicalement parlant. J'ai voulu raconter quelque chose de nouveau. En tout cas, connaissant Defty, on voit Defty avec le rap 100% hard et tout. J'ai voulu me démarquer de cette image-là, montrer que j'avais d'autres talents. Il faut noter que j'avais déjà chanté auparavant. Sur l'album de Doxy, j'ai chanté, j'ai fait des refrains chantés. Sur des mixtapes de certains amis, j'ai On a découvert aussi sur un featuring qui était Good Vibes. Bien sûr, avec Good Vibes et tout. Donc j'ai pas l'habitude de chanter. Étant arrangeur, je me permets ces délires-là. Est-ce qu'on prépare de nouvelles choses pour les mois qui viennent, bien après sûr, le succès des précédents? Dans un premier temps, on a une prochaine vidéo qui sort dans les mois à venir. Et l'album, les vacances. Eh bien, Defty, une autre question que je vais t'envoyer là tout de suite. D'accord. Est-ce que tu es très optimiste pour le rap ivoirien bien et sa montée en puissance? Bien sûr. C'est vrai que ça, c'est un peu lourd, ça met du temps. Ah, tout est lent en fait en Afrique. Il faut assumer, il faut l'accepter. Nous ne sommes pas pressés. Moi, ça fait plus de 20 ans que je rappe. Ou 20 ans joue pour joue. Voilà, je n'ai pas été pressé. J'ai pris mon temps, j'ai peaufiné mon savoir-faire et aujourd'hui, c'est
ça m'ouvre des portes. Et est-ce que tu as de petites ambitions secrètes, par exemple collaborer avec des Shadow Chris, des Kif Nobi, des H Magnum, des Abou de Beng, qui sont aussi à un certain niveau. On a de grosses collaborations qui arrivent, c'est pas forcément les noms que tu as cités. Il y a plein de personnes qui sont pas forcément connues, qui ont un gros talent, qu'on va essayer de, je vais dire, d'aiguillonner à notre manière, de mettre au devant de la scène aussi. On a des grands noms qui sont intéressés par notre travail. À quand la sortie de l'album, le prochain? Je pense que c'est pendant les vacances. Nous avons donné une date, mais en fait, on veut prendre le temps de bien finir. On ne veut pas reporter la date, donc nous disons les grandes vacances, que les gens s'apprêtent. Le prochain Def 6 pièces d'Agouti arrive lourd. Une vingtaine de titres. Et ça va être quoi le profil, les couleurs de ce nouveau paquet? Il y aura un peu de tout. Moi, je suis musicalement ouvert. Je ne suis pas fermé, j'écoute tout. À la base, je ne suis pas né rappeur, donc du coup, j'ai été influencé par beaucoup de bonnes musiques. Et c'est ces musiques-là que je vais essayer de mettre à ma sauce, à la sauce rap dans mon album. Il n'y a pas de souci. Allez, maintenant, le message de Defty à ses fans avant les vacances. Bien sûr. Je tiens à remercier d'abord Urban Clip et la structure Caméléo, JM et toute la famille de Caméléo bien sûr. Et bientôt nous arrivons avec un album fort, un album rempli de messages, un album écrit à la sueur de notre front parce qu'on s'est battu pour être là. Et nous tenons à dire merci à toute la population, à tous les Ivoiriens de continuer de nous soutenir. Et le meilleur arrive. Pour nous le meilleur c'est demain. Donc big up. Allez, et comme le disait quelqu'un, le futur c'est la minute d'après, le but anticipé. On te souhaite donc une très très belle carrière. Merci. Avec tout le soutien, Urban Clip. Merci. Salut Defty. Salut. Urban Clip, only on Urban Clip.